Qu'on le souhaite ou non, le livre électronique fait déjà partie de notre quotidien et son développement est incontournable. Il ne tuera pas le livre papier, fort heureusement, mais il suffit de prendre l'avion ou le TGV pour s'en convaincre. 9 voyageurs sur 10 lisent déjà sur une tablette. Chloé Delisle ne pouvait pas rater cette révolution et depuis un bon mois, c'est chose faite. L'éditeur a son catalogue d'e-books. Allez sur Google et tapez Chloé Delisle. Nous sommes là, en tête de la première page. Un second clic et nous voilà sur le tout nouveau site de l'éditeur avec environ 700 titres papier représentant plus de 300 auteurs. Mais l'onglet qui nous intéresse, c'est celui-ci, l'onglet de l'e-book. Ce catalogue est encore en phase de test et ne comporte que 9 produits téléchargeables. En fait, les différents numéros de la revue des petits papiers et 3 ouvrages qui sont proposés au prix très démocratique de 4,99€. Prenons le cas de Bruine, le recueil de contes de nouvelles de Laurent Dumortier. Un clic sur le livre vous donne une première fiche de lecture. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'auteur et son œuvre, vous allez sur ActuMag. Et là, vous choisissez l'onglet du Who is Who, une sorte de dictionnaire alphabétique des auteurs de Chloé Delisle, pour arriver à la fiche de Laurent Dumortier, avec une liste de ses nombreux ouvrages publiés, des commentaires, des articles de presse, des interviews, etc. Et si cela ne vous suffit pas encore, vous cliquez sur la chaîne YouTube de Chloé Delisle et là, vous découvrirez les vidéos réalisées à son propos par notre émission, Actu TV. Idem pour Christine Brunet et son nid de vipère. Une fiche de lecture s'affiche dans le Who is Who d'ActuMag et le reportage que notre émission lui a consacré il y a une petite année. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix et à l'ajouter au panier. On vérifie. Un téléchargement à 4,99€, eh bien il ne reste plus qu'à payer. Et là, vous avez également le choix. Un paiement immédiat avec une carte de crédit, et vous pourrez télécharger dans les minutes qui suivent, ou un paiement différé avec un chèque ou un virement. Et là, il faudra attendre que l'opération ait eu lieu. Une formule gérée à 100% par Chloé Delisle, et ce, grâce au travail remarquable de sa webmaster France Delay.